juifs sont rendus responsables de la défaite. En Hongrie et en Roumanie, une législation antisémite est instaurée. En France, un violent discours xénophobe et antisémite se déchaîne dans les années 30, tandis que les violences se multiplient en Pologne. Bénéficiant du silence des États et des opinions publiques, imprégnées par des siècles d'antisémitisme, les nazis passent alors des mots au meurtre. Ce crime sans précédent vise à anéantir toute présence juive sur la Terre. Quel sens donner à cette suite de non-sens ?